Reprise du cycle. Reprise du cycle. Je suis pas tout à fait prêt, c'est pas grave. Augmente les coûts, fabrication de 50%, ça c'est embêtant. Ah mais oui, attends. Oui, on a ça maintenant. Ok, on est de retour. On va continuer. On a notre super lance roquette. C'est vraiment, vraiment cool. Il faut qu'on utilise notre salle dégâts de l'épée. Animation mêlée répare l'intégrité. Ça, ça peut être utile. Enfin, de tuer en mêlée, en fait, ça répare. Donc c'est bien pour les monstres, pas les boss. Ok. Oh la vache. Ah les machins quoi, ça tue. Ah, maquette de vaisseau spatial, VPR sans avoir un effet positif sur la ruée. Je vais voir la ruée. Ah, j'aurais dû regarder mes, mes stats d'abord. Est-ce qu'on voit la ruée, genre le temps de la ruée? Dégâts, protection, taux, efficacité, délai de tir. Elle a pas un effet supplémentaire. Oui, elle a des couleurs supplémentaires. Je crois qu'elle recharge plus vite. Tout simplement. Je pense, hein. Ah, ça te donne envie ça. Alors. En fait, il faudrait peut-être se remettre full vie en faisant des attaques de mêlée, puis après récupérer ce qui traîne, non? Parce que si on est full vie, je crois que ça va nous augmenter la vie directement, non? Faut que je fasse un test pour être sûr, parce que c'est vrai que je le fais en fait vite fait. Des fois, je regarde pas trop, je réfléchis pas trop en fait à ce que ça fait. Eh mais j'ai pas mal. Il m'a restreint. C'est pas mal. Permet de survivre d'un coup fatal puis se détache. Réduit grandement l'intégrité max en se détachant. Au moins ça nous fait une vie quoi. Alors augmente le taux de maîtrise de 15%. C'est pas vraiment intéressant. De toute façon il faut qu'on d'abord qu'on vire ce dysfonctionnement là. On peut rien acheter tant qu'on a ce dysfonctionnement. J'ai essayé. J'ai essayé. Avec les trucs à l'épée là, j'ai essayé. De taper, j'ai tapé un seul truc et au final je me suis pris des dégâts en même temps, c'était cool. Vraiment bien. Oh, on fout tellement le bordel avec ce truc. Ouais, on va aller là. Ah, j'adore, je kiffe. C'est fun.
Alors. Ah, c'est avec de l'éther, ça. Oui. Je sais toujours pas ce que ça fait. J'ai pas pris le temps de regarder et tout, c'est bien. Je sais juste que j'aime bien le faire, c'est fun. On doit faire quelque chose. Je sais qu'on m'a sûrement dit dans les commentaires, mais... Ça crée des entités complexes par rapport à l'environnement, ça veut dire. Aucune idée. On va continuer par là. Du coup, j'ai encore de la vie en arrière. On devrait peut-être prendre... parce que je crois que j'ai quelques trucs de vie à récupérer. Je crois. Voilà. Très bien. On est presque... On a presque fini avec ce dysfonctionnement. Ben voilà, très bien. Putain de toi. Bon, j'avoue, pour des trucs volants comme ça de loin, c'est relou, hein, mais bon. Faut un peu anticiper. J'avoue, c'est un peu la galère. Okay. Alors... Excusez-moi, mais je connais pas les objets par cœur. Des colonnes d'explosion des uns qui transforment tous les projectiles en nobélite. Prépare une petite portion et convertis en intégrité. Ok, ça marche. Si au moins on pouvait les mettre dans l'ordre. Honnêtement, je passerais un meilleur moment avec les consommables. Alors... utiliser des consommables x2. Subir des dégâts fait perdre des obolites, ok. Rayon d'une... Qu'est-ce qui se passe? Saloperie. Rayon du néant. Monter en régime niveau 2. Pas vraiment... Prépare tous les dysfonctionnements. Oh, parfait. Du coup, c'est le 2. C'était peut-être un peu exagéré d'utiliser ça juste pour un seul dysfonctionnement, ouais, j'avoue. Pas grave, c'est fait, c'est fait. Fait déclencher ou réparer des dysfonctionnements confère une compétence de combat aléatoire.
Ah oui, ça faut regarder ce que ça fait exactement. C'est un peu tricky les sauts comme ça, mais ça va. Voilà, très bien. Alors, bah tiens, on va tester. Dysfonctionnement de commandement, effectue les éliminations de mêlée. Lui disparaît une seconde plus tôt. J'ai eu des... Ah, bouclier activé. Ok. Et ça reste indéfiniment ou pas hein? Ouais bien, il n'y a pas les états. Non, il n'y a pas les états en fait. Dans... Ça aurait été bien. Taux de maîtrise, protection, 0,7. Plus 7, pardon. Alors, visée mortelle. Automatique. Chambre agrandie. Aimant à abolir. Ah, ça peut être intéressant. Surtout qu'il a plus de dégâts, lui. La visée mortelle va faire très très mal. Aimable. Confère une chance de ramasser automatiquement les abolites, lâcher les ennemis éliminés. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, maintenant on détruit tout. Hein. Vraiment on détruit tout. Tu m'as touché. Tellement que j'anticipe. Merde, mais c'est un... J'ai tendance à faire ça. Tirer sur les choses pour s'agripper. Oh, oh, oh. Ça va. Très bien. J'ai tendance à dans le combat en fait à tirer sur, oui, sur les trucs qui volent du coup. Il me faut de l'éther, il me faut à tout prix que je garde mon éther en fait. Parce que ça augmente notre défense. Ouais, il faut absolument que je garde l'éther. Faut que je pense à faire ça. On va remonter. Très élevé. Ok. Très grande maîtrise d'armes. Théorité complète, moins 160 dégâts des armes. Waouh, ok, si je suis fou, fabriquer des objets, ça marche. Ah! Projectile dentelé, cartouche multiface, flux scindé, je sais pas. Ouais, bof. Non, ça va.
Ah, attends. Moins 65% de dégâts si je suis... Vie plein. Ouais, non, mais attends, on va attendre du coup. Ah, c'est la merde, ça, tiens. Comment je monte? Voilà. Ah. Oh non! Je déteste cette partie de merde là. Ah bah bravo. Ah, ça va être le boss. Faudrait de la vie. Ok, plus tard. Je crois que j'ai loupé mon tir. Ah, les dégâts, quoi. Ça va. Ça rend entre les meilleurs, ramasser les objets, vous infligez des dégâts. Ouais, non, ça va me tuer, ça. Non. Là, il y a le renforcé qui peut être intéressant, mais bon, les dégâts, là, on va pleurer, en fait. Permet aux attaques de mêlée plus puissantes, brise barrière. Oh, ça, c'est bien, ça. Je crois qu'on gagne moins de maîtrise, aussi. À cause de je sais plus trop quoi. C'est pour ça qu'on lutte un peu peut-être pour les niveaux des armes, parce que ça change pas grand chose en fait. Mais c'est pas trop grave. À un moment on a fait un tir secondaire là de sniper là. Sur le point faible de la créature, ça l'a one shot, elle était full vie. Hein. Elle était complètement full vie. Ça c'était bien. Oh! Le mec aime pas les histoires. Ok, par contre. On... J'allais dire. Ah, on est full vie, on te fait moins de dégâts. Bah voilà, c'est bon, c'est réglé. Genre récupérer des objets, ça veut dire quoi? Genre récupérer même du soin, c'est considéré comme un objet ou pas? Je sais pas, j'ai envie de le prendre pour tester.
Ça m'étonnerait, je pense que c'est juste bah, créer des objets, les récupérer, tout ça. Enfin, les objets artefacts et tout ça. Ouais. Ça, on va attendre, faut fabriquer un objet. Et ça, ça va nous foutre dans la merde niveau dégâts. C'est moins 65%, c'est énorme. Quand même. C'est quand même bien énorme. Ok, porte à gauche. Réduit le délai de récupération du tir secondaire. Ouais. Ok, dysfonctionnement enlevé, très bien. Ok, très bien. Alors... Là, porte là, ok. Téléporteur. Il a le téléporteur? Non, il a... Oui, non, c'est pas grave. Ça reste un téléporteur. Alors... Celui-là. Contre-projectile activé. Décharge d'exécution activée. Je sais pas trop ce que c'est, tout ça. Ah tiens, est-ce qu'on a assez pour quelque chose? 270, ça m'étonnerait. Non, il nous faudrait 200... Oh, 276, il faut. Est-ce qu'on a, on consomme moins? On paye moins? Ah bah voilà. Ah! Oui, 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 ça fait des dégâts. Ah oui, du coup, ça m'enlève ma... Intéressant. Ça va m'enlever ma... Mon adrénaline. C'est... Du coup, c'est très dangereux. D'accord. Bien. Non, électro-baliseur. Là, on a un lanceur avec un rayon d'explosion augmenté automatique 2. Ça pourrait être intéressant, c'est automatique 2, voir un peu ce que ça donne. Ah, capsule de vrille, je suis pas très fan.
Honnêtement, non, la capsule de vrille va plus nous mettre dans la merde qu'autre chose, parce que c'est pas intéressant pour moi. Alors, augmente le coût de fabrication, ça marche. Puis après, rejouer en coup par coup, honnêtement, ça va être une galère. Mais je préfère au moins en avoir un. Si jamais on en avait un qui était vraiment très puissant, nettement mieux dans ce rocket. Que je fasse les kills hein, par contre encore. Éther. Ouais, j'ai eu mon. Je me suis pris un dégât. Des bestioles, non. Ouais, si on avait un super lance-roquette, genre qui est vachement amélioré et tout ça, je veux bien repasser en coup par coup. Sans l'automatique, mais là, sans l'automatique avec un truc qui est bof. Pas vraiment mon truc. Oi, oi, oi. Il est mort déjà? Oh putain. J'ai mis une chance de lâcher de la résine. Ah! Ouais, oui, non, là, là peut-être, là ça vaut le coup. Ah oh, putain, même quand tu changes d'arme, ça va me faire des dégâts. Oui, ça c'est un peu abusé. Je me disais dans la tête, c'est, si je change d'arme, ça va me faire des dégâts ou pas? Entre les limites de surchauffe, la cadence de tir. Tire sur mes dégâts avec les pylônes, craint une toile. Ouais. Bon là ça vaut le coup les dégâts je pense. Même si ça me fait un tout petit peu chier. Augmente les dégâts des armes de 10%, ça peut être intéressant. Faut que. Non, putain, je retourne en arrière en marchant. Ah, j'avoue que n'importe quel objet qui tombe, genre même les consommables du coup. Si je récupère un consommable, je peux prendre des dégâts. Ouais. Ouais, c'est un peu la galère ça. Ok, on était déjà venu là. Double rayon de ramassage de mêlée augmente les délais de récupération du tir. Ouais, c'est ça, emmerdant ça. Plus électrique, c'est une carabine, non. Escalader la flèche.
Ah, mais tu veux dire que la porte, on n'a plus besoin de la... C'est vrai que j'ai pas fait attention à ça, mais du coup, on n'a plus besoin de la réouvrir, la porte. Bon, après, c'est bien parce que faut bien qu'on augmente. Ah oui, non, on peut passer. Ah, merde. Je voulais aller le taper, hein, corps à corps. Mais sérieux, ah oui, c'est la merde en fait. Ah, c'est bien, on va galérer là. Ah, bravo, bravo. Putain de merde de jeu. On va monter parce que là, je fais de la merde. Oh là. Oh, c'est une galère. Ah, du coup, j'ai pris cette arme, c'est bien. Est-ce que ça va être utile contre un boss? Par contre, maintenant j'ai 3 tirs. Ah, mais attends, on l'a débloqué. On a débloqué. Chambre agrandie, augmente la limite de surchauffe. Ouais, donc j'ai 3 tirs maintenant au lieu de 2. Cube. Ah oui, ça c'est les endroits qu'on peut pas activer encore. Bon bah. Attends, quoi? C'est pas par là? What is going in on? Non, sans déconner là, comment je monte? Bah attends, on va voir là-bas. S'il y a quelque chose. Non, ça c'est l'eau là. Oui, non, ça je peux pas y aller. Je suis con ou quoi là? Comment on monte la tour? Ah! Ben oui, et oui. Et oui, lol. Ah, attends, ça peut m'être utile. Attends, on fait voir. Comment. Parce que j'ai pas encore testé ça. Par exemple, des tâches à part aléatoire, produit de haut but. Vas-y, fais voir un peu. Combien? 53. L'intégrité de la combinaison augmentée. Ok. On fait voir un peu. Alors, il nous reste. Réduit le coût de fabrication de 15%. 50%. Ah oui, dégâts infligés, c'est chiant. Réduit grandement l'intégrité max en détachant. Permet de survivre à un coup fatal. Ok, c'est pas mal.
Enfin, je vais être honnête, est-ce qu'on peut le refaire? Parce que... Parce que c'est pas des parasites qui sont extrêmement puissants, en fait. Donc pourquoi pas? Elle est où mon intégrité là? Attends, j'avais un parasite qui m'augmentait l'intégrité, c'est ça? Je crois. Le coût de fabrication de 15%. Ça c'est bien, ça on garde. J'ai merdé, c'est ça? J'aurais dû... Oui, j'ai peut-être pas fait attention à ça. Ouais, mais au moins on a plus... Bon, on a plus des malus chiants. Putain, j'ai merdé. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a, on a fait pire. On a fait nettement pire. Par contre, on a 320 pièces. Donc, téléportation, ninja. C'est où qu'on achète des choses? C'est ouf. La seule maison. C'est là, c'est là. On peut pas cliquer. Pivoter, choisir la destination. Ouais, non, on peut pas en fait. Ah, ce télé. Je crois que je pouvais faire espace. Non, fais voir un peu. Alors, les animations peuvent provoquer des décharges d'énergie, les animations en mêlée créent deux projectiles. Non, c'est que de la merde, c'est ouf. Bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je mette? Mais une attaque de mêlée plus puissante, même ça j'en ai déjà un. Ah, déjà en votre possession. Nation de mêlée provoque des décharges d'énergie. Nation de mêlée. Non, mais c'est que du mêlée, c'est pas intéressant pour moi. Ah, attends. Non, je l'ai pris ça. Bah, on va prendre du soin. Hein. Alors. On va prendre du soin. Ça, on va faire le boss. Après, je suis sûr qu'on peut peut-être se balader et trouver quelque chose, mais... Trouver des trucs qui me manquent. Attends. J'ai oublié des objets, là, apparemment. Ah, non, ça non. Bon. La fleur du boss. On a 11% de protection, c'est tout. Parce que on a le. C'est quoi, c'est un accessoire? Enfin. Un artefact. Ça a intérêt de faire des dégâts bien en continu, hein, l'électricité, hein, sur le boss. Hein. Ça a intérêt de faire mal. Hein. Sinon, parce qu'on faisait aucun dégât. Hein.
peux voir, ouais, ça c'est pistolet, on s'en fout. C'est quoi ça? Alors, attends. Donc on a 10% de protection. Ah, ça doit être capé à 10 peut-être. Taux de maîtrise, moins de 2 secondes pour le tir, dégâts des armes. C'est pas énorme. Hein. Genre la première fois qu'on avait joué, on avait tellement un meilleur truc. Parce qu'on est allé dans plusieurs biomes en fait. Là on peut pas aller dans plusieurs biomes. Donc on est obligé de faire avec ça quoi. C'est pas très bon. Bon, prépare une petite partie, non, une partie importante et une petite partie, donc c'est en 3. En premier, j'ai déclenché une explosion d'énergie qui transforme les projectiles mis en abolite. Ça peut être intéressant. Allez, c'est parti. Est-ce moi qui t'ai enseigné cette mélodie? Ou bien est-ce le contraire? Putain, merde. Oh, ça tue. Ça fait une protection en fait. Tu peux mourir? Merde. Bordel. Oh mon dieu. J'arrive pas à voir si sa vie descend bien en fait, honnêtement. J'essaye de regarder la vie de temps en temps, mais... Ok, on l'a eu. Bon, apparemment... Le silence. Bon, apparemment, ça marche. Je n'en pouvais plus. Vraiment plus. Ouais, en plus, les faux accords et tout ça, c'est catastrophique. Ouf. Alimente le portail fracturé. Clé fracturée.
ça va. Ouais, non, l'arme fait... Non, ça devait faire pas mal de dégâts, en fait. La vie devait vraiment tomber assez vite et rapidement. Durée des pylônes, en plus, les pylônes restent longtemps. Ouais, on a tout utilisé. Bon, au final, ça s'est bien passé, là, le système qu'on a fait. Ok. Ah, merde. C'est pas le téléporteur, c'est chiant. Par contre, quand on n'a pas de... Comment ça s'appelle? Tu peux voir? Attends, on est toujours à... Ouais, on est protection 10%. Ouais, on doit être limité à 10, en fait. Attacher ou détacher des parasites augmente l'intégrité max. Sur la rue, c'est ça. L'éther et la protection. On doit être limité à 10% pour éviter que ça soit trop pété en fait. Alors. Il est où le portail? Non, c'est ça. Ok. L'arme est pas extrêmement précise, mais non, ça va. Au final, les lasers ils font vraiment un bon arc et tout ça. Et du coup, ça. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'être précis en fait. Tirer un peu dans le tas, quoi. Et hop, ça passe. Ah, donc nouveau biome, c'est ça? De glace peut-être? Ouais, glace. Plonger dans les abysses. Ah non. Un peu de soin. Ah, sûrement avoir du gel qui se forme sur sa combinaison, c'est classe. On peut changer... Non, c'est quoi sa progression? Ce que je crois que sur la version Steam, on a... Je crois qu'il faut se connecter. On a des skins différents, mais je sais pas comment on met ça. Je vois pas de... Je sais pas. Non, pas grave, on reverra ça. Désert fracturé. Pas... Mais si, en fait, les mêmes coordonnées que le désert. Je reconnais les montagnes, mais où sont les structures en ruine et... Oh, Helios, quand sommes-nous? Ouais, t'as fait un bond dans le temps, ma petite. Je commence la descente du glacier. Je ne sais pas quelle tentative c'est. Ça devient rassurant. J'ai beau savoir quelles promesses m'attendent. J'ai du mal à renoncer à la technologie. Il y a certains sacrifices que j'ai hâte de revivre. Okay. Mais j'ai parfois l'impression que quelque chose, au fond, me rejette. Très bizarre. Porte en dessous. Ah!
Plein de machines, ça c'est cool. Fais voir. Wow. La clé... Les clés Adales. Alors, ça c'est pour le cube. Oui, cube. C'est là que la conscience collective a modernisé ses machines autonomes, imposant à chacune un nouveau but. Tuer la famille sectionnée. Je me souviens encore de cette phrase. Et je sens que je suis altérée aussi. Puis ça devient irrésistible. Si je peux atteindre les profondeurs, je peux détruire ce qui me détruit. Je suis plus forte que les sectionnés, plus forte que le cycle. Perd la tête aussi un peu quand même. Ah, figurine d'astronaute. Surcharge réussie augmente brièvement la vitesse et la protection. Je vais être honnête. Je vais regarder ce que ça fait. Je suis curieux. Figurine d'astronaute, désolé. Non. Returnal. Figurine d'astronaute. Qu'est-ce que ça fait? Alors, figurine d'astronaute, ce petit totem qui repose dans le plus grand. Oui. Que fait la figurine? Tuyon, vous devez avoir cet artefact dans votre inventaire lorsque vous êtes tué pour qu'il fonctionne. Une fois que vous mourrez avec elle en main, elle disparaît parce que vous la repreniez. Quoi? L'artefact de l'astronaute vous donne une seconde chance lorsque vous mourrez. Il vous ravive d'un coup fatal. Une fois que l'intégrité de votre combinaison atteint 0, lorsqu'il s'active, vous ressuscitez avec toutes vos armes maîtrises, des armes modifications parasites avec les... blablabla. L'intégrité de votre combinaison est remplie également à son maximum. De garder la figurine d'astronaute à portée de main pour les combats de boss à la fin de chaque biome. Comme lors de la lutte contre la fin du biome. Ramassez chaque fois que vous en trouvez depuis. Rien n'a pas réinitié, retourner à régir le monde. Ah, quoi? Mon Dieu, c'est tellement mal expliqué. Enfin, c'est ça, c'est des sites. Les sites de nos jours savent plus expliquer les choses, savent plus faire des phrases compréhensibles. Ou alors c'est complètement traduit d'un site anglais. Et c'est genre traduit avec Google Translate, c'est horrible. Ouais, non mais en gros les gens ils disaient que si vous en récupérez un en fait, donc ça, c'est un second souffle quoi. J'y pensais un peu hein, que c'était un second souffle. Du coup, dirigez-vous vers le boss une fois que vous avez ça en fait. Parce que comme ça, vous pouvez faire le boss tranquille. Mais bon, et après il disait que si vous mourrez, vous réinitialisez, donc les objets aussi, c'est débile. Enfin, bref, beaucoup d'explications pour pas grand chose, donc c'est une deuxième vie, tout simplement. Donc, ouais, on va le prendre. Depuis qu'il y a YouTube avec plein de vidéos qui expliquent tout ça, il y a plein de gens qui font des vidéos genre de 3 quarts d'heure pour expliquer un objet. Ah, attendez, il y a ça. Pour expliquer un objet. Ah, les reconstructeurs, je devrais regarder ce que ça fait aussi. Et il n'y a plus de sites comme ça, où à l'époque, genre il y a 10 ans, où vous allez sur des sites, ils vous donnaient des solutions et tout, bien expliqué et tout. C'est super rare d'en trouver maintenant. Vous en trouvez sur des vieux jeux, mais c'est tout. J'ai remarqué. C'est un peu triste parce que j'ai pas envie de me taper des vidéos de tout le temps, quoi. Les vidéos, je les regarde pour... pour la détendre, quoi, pas pour finir un jeu. Donc ça c'est le reconstructeur. Ok. Alors, attendez. Alors, Returnal. Returnal reconstructeur. Je sais que je coupe pas, mais hein, voilà quoi. Une machine très utile qui réclame 6 éthers pour être activée à chaque fois que vous
que vous l'alimentez. Elle vous offre une chance unique de reprendre en cas d'échec. Oh, votre run avec l'intégration de votre l'intégralité pardon, de votre inventaire, de vos compétences. Cette salle n'apparaît pas à chaque run, donc profitez de l'activer. Quittez, faire plusieurs fois aller-retour pour récupérer de l'éther dès que vous pouvez. Ah, d'accord, ok, ça marche. Cool. Cool, je sais qu'on me l'a sûrement dit en, en message, hein, en commentaire, hein, mais du coup, j'enchaîne les vidéos en fait. Tellement que j'aime bien le jeu. Notre dernière clé, notre unique clé. Oh non, c'est un truc sans ruée. Fait chier. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être chiant. Me dis pas que c'est un truc que je peux pas passer. Ah si, peut-être. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est des nouvelles armes? Non. Nouveau pouvoir? Nouveau truc? Une autre technologie de la conscience collective. Ah bah, elle va devenir extrêmement puissante en fait, Selene. Ça se met où? Les bras? Les jambes? Les bras? Les épaules? Ouais, mais elle va devenir moitié sentient là. Wow, ça fait une armure. C'est classe. Zone dangereuse. Votre combinaison peut désormais supporter les conditions de, des zones dangereuses. C'est-à-dire... Genre ça. Ça tue. Yes. Putain, ça tue. Cool. Honnêtement, je l'aime bien là, le personnage. Oh, y a des... Honnêtement, c'est une horreur des fois les commentaires. Enfin, pas les commentaires de YouTube, mais dans les forums de Steam. Les gens, ils étaient là, pourquoi le personnage est pas sexy? C'est une femme, elle devrait être sexy. Mon dieu, vous avez quel âge? 4 ans? Dans la cascade d'Icor, le créateur destructeur sombra dans le bassin, un souvenir refoulé. Genre, c'est quoi ces commentaires de merde? Genre, le personnage a pas besoin d'être... d'être Lara Croft tout le temps. Hein. C'est ouf, quoi. Moi, je l'aime bien, la Selene, là. À moitié givrée. Mais elle se transforme en... je sais pas quoi. En créature, je sais pas quoi, à moitié. Avec une... avec une technologie alien. Honnêtement, elle a des bollocks, hein. Pour faire... pour faire ça. Et elle est super puissante aussi, quand même. Je peux pas dire, mais... genre, elle se fout des parasites sur elle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Non, non, elle est vachement bien. Si je l'ai laissé venir. Quelle merde. C'est pas fameux, hein.
Non, je vais monter. Moi, non. Oh, vache. Eh ben... C'est pas beau. J'ai vu qu'il y avait une tenue. Ah, vous avez vu le... Le grappin, il est différent aussi, j'ai l'impression. Ouais, le grappin est différent. Oh, j'ai pas pris le cube. Moissonneur d'âme. D'armes. Transport dans un lieu inconnu, ça marche. On va le faire après. On va déposer le cube d'abord. C'est le plus important. Failli oublier ça. Ça, le cube. Déposer le cube. Très bien. Ainsi qu'une arme proche. Ah! Pas mal. Ah, il me faudrait une salle où... où des fois il y a trois armes là. Vous savez, il y a trois coffres. Ouh, ce serait cool ça. Ah, quelle merde, je suis un idiot. Des containers, ça va, dégâts des armes lorsqu'il est immobile, ça va. C'est super simple à esquiver en plus. Hein. C'est méga simple à esquiver. C'est ouf. Allez, putain, je vais pleurer. Quoi. Oh là 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 là. Ah putain, bouge. C'est bon. Merde. Permet d'atteindre niveau. Super. Oh lolo. Ce monde est mon foyer dans un univers insensible. Je ne veux pas partir. Parfois, aux confins de mon champ de vision, je vois une aube noire sous l'océan. Quand percera-t-elle la surface? J'attendrai toute l'éternité pour l'atteindre. Ah mais attends, je suis en train de me dire, moi je peux marcher. Eh oui. Bon par contre ça je dirais que non mais...
Délai de récupération de tir secondaire augmenté de 10 secondes. Ah, j'ai envie de tester ça, mais... Ouais, non, ça c'est de l'eau, c'est pas pareil. Ramasser une résine vous confère un bouclier contre le prochain coup. Ça, ça peut être pas mal. C'est pas le top du top, mais bon. Attends, du coup, j'ai tout pris ou pas? Ça doit être en dessous. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des réparations automatiques, canne de... Ok, ça, c'est les flaques d'acide, ça marche. J'ai envie de tester, mais on a l'adrénaline au max. À la limite, si j'avais pas trop d'adrénaline, ça me dérangerait pas de plonger dans l'eau, mais là, là c'est un peu chaud. On n'a pas des masses de vie non plus. Enfin bref. La suite. C'est quoi ça? Ah mais c'est la boule. C'est sphère. J'aurais dû peut-être ouvrir les coffres avant, non? Il y avait une main, c'est sympa. Quelque chose qui ne devrait pas exister se propage en moi. Sympa. De la merde. Les ennemis ont chance de lâcher des résines quand ils veulent. Ouais. C'était vraiment pour le dysfonctionnement surtout. En fait. On a eu contre-attaque projectile activé, bouclier activé, des charges d'exécution activées, dégâts des armes augmentés. Quel bordel. Donc attends, parce que encore une fois c'est dans n'importe quel ordre. Alors en 1 on a recyclé une arme proche. Bah, une seule de délai du tir, les ennemis ont une chance de lâcher de la résine. Okay. Le troisième c'est du soin. Potentiellement. Oh la vache. Eh merde.
Tu veux pas prendre... Putain de merde. Non. Oh, on est bon. Il m'a juste fait tomber en fait. Oh la vache. Parasite qui me soigne. Ça aurait été trop cool qu'il y ait une animation avec le parasite, genre je sais pas, il me tourne autour du corps, genre il se balade sur mon corps. L'animation de mêlée répare l'intégrité. Inhibe l'utilisation des ressorts de Sylphium. Je vois pas ce que c'est en fait. J'ai utilisé l'objet là pour faire de la résine, mais je sais pas si les morceaux de résine ça venait de moi. J'en sais rien. Ah oui, l'acide, putain de merde. Complètement con, moi. Oh là là. Nique-toi bien. Et B. Alors, automatique, chambre agrandie, requête critique. Il y a le brise-bouclier. Ah! Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Alors ça, fais voir un peu. Cool. D'accord. Ouais, je sais que j'avais dit qu'on attendrait avec les trois coffres, mais... ça doit être une seule arme en plus. Pas les armes autour, c'est juste une seule arme. Ah, le Sylphium. Dégâts intégrés modérés, mais est infecté. Ça marche. Donc on peut pas utiliser ça avec la créature là.
Et il faisait quoi le... Attends. Maintenant que je sais ce que c'est, à la limite... L'élimination de mêlée répare l'intégrité. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais. Là, la maîtrise d'armes qu'on a en moins, c'est un peu violent. Mais bon, au moins, on peut acheter plusieurs choses. Parce qu'on a 15%, je crois, en moins de... On paye en moins. Mais du coup, on a 15% de... De maîtrise aussi en moins. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh putain, la seed! J'en ai tué un apparemment. Procède des réparations automatiques en cas d'intégrité basse, les ennemis laissent des flaques d'acide derrière eux. Oui, non, mais déjà. Je me suis dit, tiens, on peut le doubler, ce serait cool. Alors là, on a un truc. Ah! Alors, encore une seconde, faut que je regarde encore ça. Donc là, on a. Seulement le délai de récupération du tir secondaire, c'est bien. Une mission de réparation intégrité depuis le délai, récupération de la ruée. Aussi que d'arme, ok. On peut faire le 2 pour récupérer de la vie. Et même quand je tape en mêlée, normalement je récupère de la vie. Enfin, si je tue en mêlée. On a tué, j'ai vu que j'ai récupéré de la vie, c'est marrant. Très bien. On a viré le dysfonctionnement. Notre bouclier actif, résineux, je sais pas ce que c'est, résineux. Je ne sais point ce que ça fait. Ok. Pas mal là. Le fait de. Pouvoir récupérer de la vie en tapant, en tuant avec l'épée. J'avoue que ça nous aide un peu là. Ouais, j'avoue que c'est pas mal, je suis content. Ça c'est intéressant ça. Après, bon c'est nul pour les boss, attention. Hein, évidemment, mais ça aide. Ça aide pour maintenir le run en fait. Il me faudrait plus de... d'éther, là. Ça. Ça, le nom d'éther. Éther, ouais. Qu'on soit à 10% au moins de protection.
Oh mon dieu. Mal. Alors le disperseur, c'est le même que moi. Non, ça c'est le fusil à pompe. 22 en plus, c'est moins que bien. Là on a l'électrobaliseur, chambre agrandie. Ouais, non plus. On va faire ça. Une émission de moins est nécessaire pour augmenter le niveau d'adrénaline. Augmente la chance de trouver des objets nocifs. C'est quoi, c'est 3? Ouais, mais ça c'est bien au début. C'est passé. Je sais pas, j'imagine que ça vaut le coup, mais si on se fait pas toucher, en théorie, on garde l'adrénaline, vous voyez ce que je veux dire? Donc en théorie, on n'a pas besoin de ça. Là, c'est plutôt de la prévention. Qu'est-ce que tu fais, toi? Consommables ont 20% de chance d'être conservés. Ah, ça, c'est bien, ça. Réduire les dégâts de mêlée de 50%. Ah, non, ça, c'est bien. Intégrité qui augmente, en plus. Enfin, juste... oui, qu'on tue... qu'on tape... bloqué par un parasite. Ah, c'est un silphium. Ok. Ça marche. C'est vrai qu'on peut en trouver des non corrosifs en fait. Enfin, des. Oui, ouais. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. C'est vrai qu'on arrive à tuer un truc à l'épée pour qu'on soit full vie. Qu'est-ce que c'est ? Désectionner et travailler ensemble pour atteindre, c'est plus symbolique que littéral. D'accord. La conscience collective modernise ses automates. Les sectionnés s'enveloppent. Tous ratent leur ascension. Tous ratent leur ascension. Objet dans l'eau, encore une fois. Il y a des objets là-bas, je vois deux points. Ah oui, mais c'est encore dans l'eau, ok. Ça marche. Ça sera pour plus tard, j'imagine.
Le machin il s'est suicidé, je crois. Attends, de toute façon j'ai perdu les points. Je vais attendre que mon destructeur de bouclier réapparaisse, enfin revienne là, le tir secondaire. Oh. Merde. Voilà. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de pièces, hein. J'avoue. Putain de toi, quoi. Dysfonctionnement réparé. Clé. Y a rien d'autre. Ouais, c'était pour une clé surtout. Ça va, ça va. Alors maintenant, en face. Tout simplement en face. Oh là là, ça va être un combat là, non? Ouais. Tiens, ça prendra, c'est là. Ouh. Pas mal. Alors, une carabine à flux électrique. Ah, les dégâts sont au max. Renforcé, monté en régime, munitions sans su. Ça peut être intéressant, ça. Alors, on fait voir. J'aime bien en fait, c'est le renforcé, augmente la protection. On est à 20 du coup. Ouais, 17, enfin, parce que j'en ai 7. Ça peut être vraiment intéressant. Les dégâts sont vachement hauts. En fait, le feu électrique peut nous sauver la vie. On n'est pas trop mobile, mais mon dieu, qu'est-ce que ça fait mal. Donc, monter en régime, oui, comme d'hab. Munitions sans su, les tirs réussis ont une chance de réparer l'intégrité. Ça peut être vachement utile en fait. Oh, genre elle a une protection. Ah, mais ça doit être le bouclier. Contre-projectile activé. Ah, ça doit être ça là. Genre les projectiles, je dois pas me les prendre si jamais je vise. Déclenche une explosion d'énergie qui transforme les projectiles ennemis en pièces.
sérieux là? Ça fait beaucoup de soins que je peux pas prendre. Je suis pas très fan de ça. La première clé du caveau. Vais-je libérer les titans? Je sais pas. Dans mon esprit, les glaciers s'amputent en un désert de pensées sectionnées. Je suis leur pas jusqu'au fauteuil roulant. Une fois, j'ai grimpé au sommet de la montagne, dans l'espoir d'une ascension. Bientôt, je vais couler dans des eaux noires, vivant la transcendance dans l'extinction de la lumière. Quelle merveille vais-je bientôt découvrir dans ce néant? Ok. On est à 444. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, attends, ça c'est... Je paye pour récupérer des machins là. Plus 5. 300 pour plus 5. C'est pas mal, mais... Alors... Le soin, ça peut être toujours intéressant. Ah oui, on avait dit ça. La surcharge réussie augmente brièvement la vitesse et la protection de 15%. La surcharge, c'est qu'on tire, qu'on recharge bien en fait. Donc j'ai envie de dire, c'est intéressant. Enfin, sauf qu'avec mon arme là, je vais pas vraiment faire ça. Enfin, en fait, ça allait bien avec l'autre parce qu'elle se vide vite, mais là, du coup, bah, c'est beaucoup moins intéressant. Même ça, même là, ouais, non, même ça, c'est moins intéressant là du coup. Ah, attends, l'intégré max de 25%. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Je me disais, il était où le truc comme ça là? Il y en a toujours, hein. J'avais pas fait attention. Ou alors j'ai oublié. Alors, l'intégrité augmentée, très bien. Faut qu'on tue avec notre épée, si on peut. Ça va où ça? Ah non. Pas fan d'être Indiana Jones ici. Rejeté de l'Olympe. J'ai émergé. X Okanogan, Wanachi. J'ai abandonné. Carte stellaire. L'astronaute suit toujours. Ok. Fan. J'ai merdé parce qu'elle a commencé à sprinter. Ça me fait plaisir. Écoutez le silence, le destructeur est entré dans les ténèbres et je dois le suivre. C'est vrai, je trouverai ma libération, je la traverserai. Étreinte non désirée, l'astronaute. J'ai perdu mon bouclier. Bien que ça remette de la vie de casser des cristaux comme ça. Il n'y a rien.
fasse attention à l'acide. Faut que je tue un truc. Merde, j'aurais dû tuer une tourelle en fait. On va tuer le truc qui vole et après on va essayer de se faire des tourelles au couteau là. Bravo! Bravo, j'avais un peu oublié qu'il y avait. Truc d'acide de merde là. Oh là là. Ça me rend fou, quoi. Ah, vache. Bon, ça remet quand même pas mal de vie, hein. J'avoue que c'est quand même vachement bien. Donc ça va. Résine nocif. Un bon électrique. Confirme enfin entre les murs. Ramasser les œufs et infliger des dégâts. Non. Bah après, si j'étais meilleur, honnêtement, on pourrait faire du corps à corps plus souvent. Comme ça, on est toujours full vie. Donc en théorie, on peut se soigner. Souvent. Mais je suis pas bon. Donc du coup, on y va doucement. Il y a un truc en haut. Ah, par là, peut-être. Non. Très bien. Sylphius Nocif. Ah, il y a un truc tout en haut en fait. Comment on y va? Enfin, c'est un truc qui a explosé, qui a laissé un objet ou quoi? Je peux pas aller sur les câbles. Ouais. Je sais pas. Pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, il y a quand même trois trucs en fait, objets là. Oh la vache. Comment on fait ? Là, je vais pas pouvoir. Par là. Ouh. Ça m'étonnerait, hein. Non, mais je pense pas. Mais c'est le point le plus avancé, en fait, je crois. Mais il faudrait que ça soit plus haut. Ah, la vache. Non, mais laisse tomber, j'y arriverai pas. Ah, ça va me saouler, ça. Il y a au moins deux coffres ou objets en fait.
Bon, pas grave. On avance. Ah, ça va me frustrer, ça. Amplificateur de réparation. Augmente l'efficacité de réparation en combinaison 100%. Alors, amplificateur de réparation. Honnêtement, je vais enlever ça, je pense. Les émissions en mêlée réparent l'intégrité, réduit le délai de récupération de la ruée. C'est 15%. 15 secondes, pardon. Je vais honnêtement pas jamais l'utiliser. Je préfère à la limite utiliser ça. Ça peut être plus intéressant. On a un coffre là. Alors, lanceur, terre, mot, machin. Ouais, mais bon, non. Ah, on a les munitions sensues qui sont activées, ça y est. Donc en théorie, on peut se soigner juste en tirant. Et vu que ça tire vite, ça peut être intéressant. Là-bas, il y a un objet de soin. Ouais, non, mais je... Oui, mais non, mais on l'avait vu. Allez, on avance. Ça fait trop longtemps que je suis dans ce cercle-là. Réduit le coût des objets de 30% puis se détache. Provoque un dysfonctionnement, c'est des agents. Ah, le coût d'un objet. Ok. Ça peut être intéressant. 30%, ça nous ferait 45% de moins. Plus on augmente. Ouais. Ok. Délétère. Par contre, je me demande si on a donc adrénaline au max. Après, on a un bouclier en fait qui se déclenche. Oh, très bien. Qui se déclenche. Et quand on perd le bouclier, on peut rester du coup en adrénaline 5. Comment on fait pour récupérer le bouclier? Je crois, parce que j'ai pas l'impression que en fait on peut le récupérer. Je crois qu'il faut, faut pas se faire toucher, du coup on repart à 0 et on repart à 5. Je crois qu'on peut l'avoir qu'une seule fois le bouclier. De ce que j'ai expériencé. Ça se dit, j'ai expériencé. C'est ce que j'ai eu en expérience. Il y a strictement rien. C'est du franglais. Ok. Du franglais. De l'anglais. Putain de merde. Je vais être honnête, j'ai l'impression que les dégâts c'est pas trop ça hein, quand même. Hein. Non!
perdu mon bouclier. Chier, j'en ai marre. C'est vrai que c'est quand même vachement relou, hein, ce... ce truc d'acide, là. Alors, rempli, l'emplacement, bien sûr, bien sûr. Élevé. Ça marche. Non. Dans ce jeu, je passe mon temps à... Très bien. Je passe mon temps à dire « Ouais !» Genre, je suis content, ça se passe bien. Et après, je dis « Oh merde, c'est nul !» Je passe mon temps à faire le yo-yo-yo, quoi. Par contre, le soin, j'ai l'impression qu'il est vachement bon. Alors, attends. Déclenche l'explosion des récrans en abolite. Convertit les abolites ramassés en intégrité. Non, faut pas le prendre. J'ai l'impression que le soin sensue là, le détire. Et c'est pour ça que je vais garder l'arme pour le moment, honnêtement. Ça a l'air d'être vraiment très puissant. Genre, ça. Ça s'active sur tous les tirs, j'ai l'impression. Ou alors on tire tellement que ben, on se soigne énormément. Donc ouais, ça a l'air vraiment pas mal. On est déjà venu là ou pas? Non? Ils sont tous, quasiment tous boucliers, quoi. C'est la merde, ça. Moi. On est bon. Ouf. Passe bien ce cycle pour le moment. Ouais, je suis content. Alors, augmente l'efficacité des réparations de 20%. Vous avez lâché disparaître une seconde plus tôt. Ouais, c'est pas vraiment très grave. Augmente l'efficacité. Ah mais attends, je suis plein moi. J'en ai 5 déjà. Il y a celui-là, il faudrait utiliser. Et merde. C'est bon, c'est revenu. Il faudrait qu'on achète quelque chose. Vitesse des projectiles. Monter en régime 2. Impossible de ramasser de nouvelles armes. Récupérer des reliques. Ah. Ok, ça marche. Je crois que j'ai une clé, non? Voilà.
C'est pas du gâchis de l'utiliser, même si on est plein. Quoi ? Oula. Non, c'est bon, on augmente. C'est pas mal. C'est très très bon, là. Bon, il faut absolument qu'on achète quelque chose, en fait. Par contre, si j'achète un truc, le machin, il tombe. Ça va faire un dysfonctionnement. Le parasite, il tombe, ça fait un dysfonctionnement. Ok. Attendez, il y a peut-être un truc en hauteur. Ça va enlever... non, ça va rien enlever du tout. Genre si j'achète une relique. Ça va dire récupérer relique, ça va faire 1 là. Ah oui, non mais c'est ça. Du coup ça va m'enlever un dysfonctionnement, mais ça va m'en rajouter en même temps. Donc du coup qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un dysfonctionnement critique ou pas? Telle est la question. Comment je passe? Vous voyez, telle est la question. La pute. Sérieux là? Oh la vache! Eh ben! Par un parasite. Attends, j'ai pas un parasite qui est censé me soigner ou c'est moi qui pète un câble? Ça. Donc, vas-y, te gêne pas. Apparemment, il s'en fout, le parasite. Par contre, je voudrais bien... Ouais, en fait, faudrait que j'enlève les parasites, là. Eh ben... Là, c'est un peu compliqué à survivre. Voilà, c'est pas cher. Alors, réduit l'efficacité des réparations de 30%, récupérer des reliques. Alors, surcharge réussie, réduit le délai, on peut prendre ça, honnêtement.
toute façon, j'ai pas d'autre. Pas d'autre chose à acheter. Comme ça, ça m'enlève le dysfonctionnement. Par contre, je serais très content d'avoir une... un bidule qui m'enlève les parasites, j'avoue, là maintenant. Alors, du coup, je fais d'abord le 1. Oh la vache! Ok, c'est peut-être un peu abusé en fait. Quoi? De quoi? J'ai sprinté dedans. Oh merde, un laser juste là en fait. D'accord, super. Ouais, c'est pas mal la vie là. Ça m'a bien remis, j'ai bien joué en plus. Ouais, mais ouais, je voudrais vraiment retirer en fait le parasite qui m'empêche de récupérer la vie. J'avoue que ça m'aiderait maintenant. Wow, qu'est-ce qui se passe? Le jeu. Le jeu, des fois, il me fait... il me sort du truc, je sais pas pourquoi. Okay. On est bon? On recommence. En train de perdre toute ma vie, c'est bien. Par un parasite, lolilol. Pas ça. Nique toi.
On vient d'utiliser l'astronaute, je crois. What? C'est trop bien. Merde, merde, merde. Esquiver son attaque. C'est bon là? Dernier ennemi. Confinement terminé. Ok. Oh la vache. Donc on a perdu l'astronaute, je crois bien. Ouais, parce qu'on est mort. Enfin, on est mort. Bah vraiment, on est toujours là. Ouais, par contre, il me faudrait. Ouais, il faut vraiment qu'on vire maintenant cette saloperie de parasite. Ça me fout dans la merde. On va devoir s'arrêter. Je vais finir là, le cadavre. Réinitialiser un certain délai. Déclenche une explosion d'énergie. Ça va, les dégâts. Sphère de transport. Empaleur. Ah, l'empaleur est pas mal. Éclaireur décédé. D'accord, donc. J'ai tiré trop vite, en fait. Fallait attendre, c'est ça? Genre, c'était... Je sais que c'était rouge, mais... Je crois que j'ai merdé. Je crois que j'ai merdé. Et là, je peux pas tirer à travers ça, en fait. Ouais, pas grave. Réinitialiser instantanément le délai, déclenche une explosion de l'énergie, transforme le machin. Je veux bien prendre ça à la place. L'empaleur. L'empaleur fait beaucoup de dégâts. Le jour où je peux m'enlever ce parasite, on va avoir de la vie partout. Oh.
clé. L'amélioré provoque une décharge d'énergie. C'est quoi ça? C'est une nouvelle arme? Vassal de l'effroi. Rayon du néant. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on va devoir s'arrêter là par contre. Sinon ça va durer trop longtemps. Une arme à longue portée d'origine inconnue, elle tire des éclats qui reviennent à elle, des échos qui ne peuvent se perdre. Elle ne peut alimenter que trois d'entre eux dans la même éternité sans visage. Plus vous en êtes proche, plus la douleur crie fort. La perte inévitable, noyée dans le temps, dévore le cycle inutile, enduré à tout jamais. Je vois pas pourquoi je lis des explications de l'arme, c'est n'importe quoi à chaque fois. D'accord. Ok, donc c'est l'arme longue portée. Non, c'est pas longue portée du tout. Parce que, en fait, vu qu'il peut avoir que 3 cristaux sortis, ça met du temps à revenir. Par contre, quand t'es proche, voilà quoi. Ça peut être vachement intéressant. Alors, dégâts supplémentaires, vitesse projectile, vitesse de retour. Okay. Augmente la puissance du vacillement. J'ai bien envie de tester, voir un peu les dégâts, ouais. Oh là là, il y a de la vie partout, quoi, c'est incroyable. J'avais dit qu'on devait arrêter. Ah, bah voilà. C'est fait. La voie est libre. Mais je crois que les dieux m'ont abandonné. Bon, on va essayer de faire le boss peut-être, et après on va s'arrêter. On fera un épisode. Ah, déposer le cube. Oui, c'est ça que je voulais faire aussi, déposer le cube, j'ai complètement oublié. Pas encore, ouais. En cas d'intégrité basse, augmente le taux de maîtrise de 25%. Oh, super. On aurait pu avoir ça avant. Alors... Là, il y a quoi? Là, c'est d'où on vient. Enfin, c'est un des portails. Du coup, bon, ben, go la porte et il n'y a pas de truc pour enlever les parasites, quoi. C'est relou. Ouais, c'est pas obligé, hein. Du coup, c'est embêtant. Bon, on va tester avec notre nouvelle arme. Je détecte un coffre en hauteur. Ça doit être en bas, c'est quoi ça? Une autre technologie des dieux. Ah, tu dis des dieux maintenant, carrément? Ah, c'est pour les jambes. Oh, c'est peut-être pour aller sous l'eau. Genre les bras, c'est pour le feu. Enfin, le feu, j'en sais rien, la sorte de lave là. Je dois accepter ce fort. Avec des tentacules. C'est bien, on a les bras couverts et les jambes couvertes, c'est bien. Couvertes. Ça. Waouh, c'est classe. Enfin, c'est classe, ça a l'air de faire mal aussi. Je peux aller plus profondément. Ah. Yay. Votre combinaison peut désormais supporter les conditions de zone aquatique. Ok. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Ouais, non, par contre, je détecte un coffre. Elle fait de la... Ouais, elle fait une lueur. Je
sais pas pourquoi je tire en bas, le truc il est en haut. Ou alors je sais pas, c'est peut-être... j'en sais rien. Bon, bah y a pas de boss, en fait c'était ça comme récompense, ça marche. Ah! Oui. Alors attendez, parce qu'on a d'abord, on a différents endroits à visiter. Je me rappelle d'endroits sous-marins. Là. À la bibliothèque. Je pense que cette arme va nous... va porter à notre perte. Hein. Je vais être honnête. Cool. Morceau de d'obélite nocif. Contient une grande quantité de données, mais infecté par... Okay, ça... L'archive. Ok. Du coup, on a complété l'archive, je crois. Par contre, je crois qu'il y avait des parasites dans un, une sorte de bain, là. Répare ou empêche le dysfonctionnement puis se détache. Réduit les dégâts de mêlée. Permet de trouver plus souvent des matériaux sur les ennemis. Les prochaines dysfonctions sont plus graves. Non! Quelle catastrophe. Bon, on va plonger. On va voir un peu ce que ça nous donne. Et puis... Et puis voilà quoi. Donc on a une attaque en 1. L'empaleur. On a le pulseur. Déclenche une explosion d'énergie, transforme les projectiles. Ça, ça peut me protéger. Et après, on peut convertir les machins en vie. Ça peut être intéressant, peut-être. Genre, on utilise les deux, en fait. Oh mon dieu, j'aime pas sous l'eau. J'aime pas les trucs sous l'eau. Les plus profondes des profondeurs. Ça marche. Ombre blanche ignorant l'inévitable, cette fois j'agis sans penser en étant la main vers sortie d'une part la raison de ma présence ici, les ombres noires vacillantes, la forme d'un astronaute qui est devenu collision de circulation. Super. Non mais en fait c'est méga grand, d'accord, ok, c'est pas... Je pensais que ça allait être fini en fait. Mais en fait pas du tout. C'est de la résine, ça marche. Bon allez, on va s'arrêter là parce que sinon je m'arrête plus. À la prochaine, portez-vous bien et on continuera notre expédition sous l'eau. Ciao ciao.